Ce qui est intéressant, c'est de changer de délire, aller faire ça. La semaine prochaine, tu fais un autre truc. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un espèce de DiCaprio du cinéma, tu vois ce que je veux dire? Salut à tous! Au sommaire de Story Movies ce mois-ci, les héros du cinéma français, une super nanny, un acteur à croquer et un repas inoubliable. Ça va fort? Force! Go! Tout le monde se les arrache. Pas mal, je pense, non? Au milieu d'une dizaine d'interviews harassantes. Elle est vraiment méchante celle-là, mais. Hey, je peux plus me la saquer, je crois que c'est l'interview de trop. Ouais. On a pu nous aussi rencontrer une partie de la Tabac Force. Bonjour. Dans Fumer fait tousser, le réalisateur Quentin Dupieux s'amuse avec des super-héros au nom de produits chimiques. Bonjour les Tabac Force. Bonjour chef Didier. J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite quelques jours. C'est génial. Profitez bien de ce séjour, reposez-vous et surtout, je vous le répète, travaillez sur la cohésion du groupe. Un voyage spatio-horrifique entre Power Rangers et les Contes de la Crypte, dans lequel le gratin du cinéma français n'a pas hésité à enfiler les collants. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Attention, vous allez mourir de rire. J'avoue, moi, quand j'ai mis le costume la première fois, il y a eu quand même un moment, quelques secondes, où je me suis dit « Wow. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je suis quand même JP Zadi, wesh. » Moi, je me suis cru à mort. Ouais. Je me suis dit, voilà, enfin, quoi, je suis un super-héros, c'est possible. À chaque fois, il met des perruques. Là, moi, j'avais des énormes seins. Il fait des trucs qui nous mettent tout de suite en jeu. Mais comme quand on est petit, qu'on est enfant et qu'on se met des foulards sur la tête pour se déguiser. Enfin, il y a un vrai truc très ludique. Et là, les costumes, vrai, tout de suite, ça nous a liés. Ouais. Et j'ai l'impression que, surtout pour les hommes, ça vous a, ça vous a tout de suite empêché d'être dans un truc de coq. Voilà, j'en fais juste une. Et c'est dans la boîte. Merci beaucoup. Avec plaisir. Yes. Alors, t'es content, madame? Je suis comme un dingue, monsieur. C'est vous mon préféré, en plus. C'est bien, c'est bien. En fait, avec Quentin Dupieux, il faut essayer de laisser tout ce qui est norme à côté et mettre son temps de cerveau disponible pour Quentin Dupieux. Parce que si tu veux essayer un peu de comprendre, c'est galère. On utilise l'énergie négative du tabac comme une arme, tu vois, pour faire suffoquer nos adversaires jusqu'à ce qu'ils crèvent. Et par contre, on n'a jamais fumé une seule cigarette de notre vie, jamais. Laisse-toi faire. Tu vois, laisse-toi faire, donne tout, sois sincère, et tu verras après ce que ça va donner. Non, on dirait pas, mais en fait, c'est hyper précis, donc c'était assez... et surtout, il est très... Il n'y avait pas du tout d'improvisation, quoi que ce soit, il est très précis sur son texte. Et donc, sauf que des fois, les répliques, c'est juste genre un, quoi, Hein? Eh? Ça demande quand même d'être assez concentré parce que c'est une musicalité et des dialogues qui sont très particuliers, quoi. C'est une logique qui lui est propre, quoi. T'es complètement déréglé, en fait. Donc, t'as peur d'un bruit de marmotte, mais pas de cette histoire de fou furieux? Bah, ouais, non, je sais pas. Eh, c'est sexiste un peu de dire déréglé. Ça fait référence à l'ovulation et tout, c'est pas très cool, je trouve. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Il parlait pas de ça. Bah, je sais pas, moi, juste ce mot adressé à une femelle, ça me choque un peu, là. Mais on reste pas sérieux, hein. Il y a eu énormément de déchets, quoi. Parce qu'il a dû galérer au montage, parce qu'on avait vraiment énormément de craquages, de sorties, de moments où elle avait dit, maintenant on y va, on se concentre, maintenant on arrête et tout. Franchement, c'était dur, non, c'était très dur. Mais tu te rappelles la phrase de Gilles, là? Une sorte de séminaire, j'imagine. C'était dur. Moi, je me souviens juste de quand elle a commencé à parler, Anaïs. Là, chez moi, j'ai fait pas la gueule, c'est bon. Alias Nicotine, ouais. Avec cette voix super perché, plus la coiffure et tout ça. Franchement, c'était très dur de l'écouter, quoi. Franchement, ton histoire, elle est super bien racontée et tout, mais je suis désolé, mon pote. J'en connais une qui est 1500 fois plus flippante que ça. Combien de fois? Ah, si, je te jure, tu vas voir. Bon, moi, les gars, je suis pas du tout en mode délire contre de la crypte, là, donc je vais me coucher, salut. Non, attends, ça se fait pas, écoute au moins la mienne. Moi, les histoires qui me font flipper direct, c'est les bails d'esprit. J'étais dans une maison, la porte s'est ouverte, la vaisselle s'est cassée, là, il y a plus de JP, il y a plus de la rue, il y a plus de rien du tout. Moi, j'aime bien les histoires paranormales. Ah ouais, moi aussi. Notamment, il suffit d'une vieille tante, ou alors, enfin, une vieille tante, le lieu, j'ai envie de dire, pas une vieille tati, quoi. Non, moi, c'est les trucs gore, genre découpé, tout ce qui est... Mais qui raconte des histoires? Vous êtes Attendez, là, on tient un truc. Qui te raconte des histoires de découpé, machin, tout ça, en fait?
là on tient. Attendez. Une révélation genre. Ok, en fait elle est pote avec des gros serial killers. J'ai trouvé cette histoire très divertissante. Lui aussi est un super héros dans son genre. Raffiné, distingué et passionné, c'est Timothée Chalamet. Le jeune acteur de 26 ans est ce mois-ci un jeune homme marginal et un peu flippant dans le film Bones and All. What was it like? You can feel every blood vessel like spider webbing through me. Une romance cannibale pour lequel il retrouve le réalisateur Luca Guadagnino 4 ans après Call Me By Your Name. Voici quelques chiffres sur l'acteur le plus craquant-croquant du moment. 13, c'est l'âge qu'avait Timothée Chalamet à ses débuts à la télé dans New York Police Judiciaire. Malheureusement, il n'a pas fait long feu, il a été assassiné en faisant ses devoirs. 142, c'est le nombre de secondes de son rap sur les maths. Tourné au lycée à 17 ans, son surnom c'était Look at me, it's Timmy T, about to hit him with the ZTST. Statistic, yeah, yeah. Statistic, yeah. 5, c'est le nombre de scènes qu'il a dans Interstellar. Il interprète le fils de McConaughey. C'est peu, mais suffisant pour être son plus gros succès au box-office avec 701,7 millions de dollars dans le monde. Et oui, c'est plus que Dune. 4, c'est le nombre de films du franco-américain sortis en 2017, une année explosive. Avec Call Me By Your Name, l'acteur de 22 ans devient le plus jeune comédien nommé aux Oscars depuis près de 80 ans. Belle gueule, talentueux, stylé, le monde est à ses pieds, mais où s'arrêtera Timothée ? Son regard pétillant va illuminer votre journée. Génial en serveuse intransigeante dans le sens de la fête, bouleversante patiente dans thérapie, Eya Haidara se balade depuis quelques années dans le cinéma français, de Godard à Azanavicius. C'est complètement exactement ça. La voici enfin en haut de l'affiche dans Les Femmes du Square. T'es une filoute, toi. Ah, c'est pas mal, ça. Elle est Angèle, nounou hilarante, romantique, un peu grande gueule, et surtout passionnément engagée. On est ensemble, ma sœur. On est ensemble, chérie. C'est un personnage un peu cadeau pour une comédienne, parce qu'il y a toutes ces facettes, effectivement, qui sont mises en relief. Et donc, c'est assez plaisant d'aller jouer sur tous ces terrains de jeu. Et oui, Angèle, c'est un peu une héroïne comme ça du quotidien. C'est quand même aussi un personnage de cinéma. Il y a un côté aussi Julia Roberts, en fait. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, si, la comparaison me va. Si, bien sûr. Parce que quand j'ai reçu ce scénario et que j'ai rencontré Julien et qu'on a eu l'occasion d'échanger un petit peu, il me parlait de ses références, de Gloria, de Cassavetes. Il me parlait aussi de Erin Brockovich. Et c'est vrai que moi, Erin Brockovich, c'est un film que je connais par cœur. Et donc, oui, ça, tout de suite, le ton a été très clair pour moi. Et ouais, il y a sûrement de l'influence. Désolée, madame, je ne vous avais pas vu. Tout va bien, vous pouvez continuer. Montre, Arthur, comment tu fais? Non, c'est bon, je suis fatiguée. Moi, j'ai un petit garçon qui a 5 ans aujourd'hui. Quand il avait un an et demi, je l'emmenais souvent dans un petit club d'enfants où il faisait du yoga, de la gym, de la musique. Des petites activités de bobo parisien, on va dire ça. Donc, c'était un espèce de rendez-vous pour les enfants. Et un rendez-vous de nounou. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir les observer, de pouvoir les entendre aussi, échanger un petit peu sur leur quotidien, et puisqu'elles vivaient aussi en tant que nounou. Et je pense, un an après, j'ai reçu ce scénario. Donc, c'était un total hasard, ou alors pas de hasard, mais en tout cas, ça a résonné beaucoup. C'est effectivement mettre en lumière ces gens, ces héroïnes et ces héros du quotidien qu'on ne voit que peu. Et qui ne sont pas tout le temps jugés à leur juste valeur, et qui sont un peu négligés, un peu méprisés par la société. Patou, Pinto, Angèle. Salut. Salut. Dites-moi, ici, ça se mélange pas trop, on dirait. Hein. Les nounous, c'est comme le foot, chacun son club. Et les parents, ils sont où? Bah, ils bossent. Je crois qu'on sert à quoi, non? Bon, ma patronne, c'est plutôt les boutiques qu'elle bosse. Bah, l'humour est un bon outil, quoi qu'il. C'est un genre où on peut pas faire économie de la sincérité. Déjà, on est obligé d'être tout le temps sincère.
Vraiment, sinon ça fonctionne pas. Si on dit des phrases juste pour faire rire, ça fonctionne pas. Les gens aiment bien se détendre et aller au cinéma pour vivre un bon moment ensemble, pour aller rire dans le noir avec des gens qu'on connaît pas et ressortir du cinéma avec une espèce d'âme commune. On aime ça. Donc je trouve que pour faire passer des messages, je sais même pas si le mot est juste message, mais en tout cas pour montrer ces peintures-là de la société, l'humour, c'est quand même un bon chemin, en fait, pour rassembler et pour dénoncer, entre guillemets. Un chef très créatif, un tribunal en ébullition et de la musique en famille. Voici nos coups de cœur ciné du mois. Monsieur l'huissier, faites entrer l'accusé. C'est une histoire glaçante, celle du procès d'une mère infanticide vue à travers le regard d'une romancière. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille ? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Un véritable fait divers qui a bouleversé la réalisatrice Alice Diop. Reconnue dans le monde documentaire, elle signe avec Saint-Omer sa première fiction à l'esthétique naturaliste. Est-ce que vous faites en sorte que personne ne remarque cette grossesse ni ne la voit ? Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte, pas parce que je voulais pas qu'on le voie. Et c'est un vrai coup de maître, récompensé à Venise et candidat de la France aux Oscars. Nous, on y croit. Nous sommes quelque part, toutes des monstres. Mais des monstres, terriblement humains. Welcome to Hawthorne. It'll be our pleasure to feed you. Qui n'a jamais rêvé d'un repas 5 étoiles sur une île coupée du monde ? Over the next few hours, you will ingest fat, salt, protein, and at times entire ecosystems. We're eating the ocean. We're eating the ocean. Bon, ok, dans l'invitation du menu, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Et ça, la star du jeu de la dame, Anya Taylor-Joy, l'a bien senti. Who are you? I am Margo. Why do you care? I have to know if you're with us or with them. Pour survivre à ce cauchemar en cuisine, elle va devoir percer les mystères d'un étrange chef, incarné par le savoureur Ralph Fiennes. Any questions? Is this bergamot I'm getting, chef? Yes, it is. Humour, suspense, critique sociale et tortilla composent la recette de cette comédie horrifique à déguster saignante. It's all part of the menu. It's okay. No, we're gonna die today. Yes, we are. Et pour continuer dans le plaisir des sens, pourquoi ne pas aller au concert ? À la baguette, Yvan Attal et Pierre Arditi. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Alors on va pouvoir travailler. Dans Maestro, ils sont père et fils, mais surtout en compétition pour un poste à la prestigieuse Scala de Milan. On a un problème. Ce n'est pas au bon Dumas que j'ai proposé le poste. Mon assistante s'est trompée, elle a appelé votre père au lieu de vous appeler vous. C'est une blague. Très libre adaptation du drame israélien Footnote, le film décortique les rapports familiaux avec deux acteurs à la partition magistrale. Je suis pas le fils que t'aurais rêvé avoir. On vous laisse sur cette mélodie. À bientôt pour encore plus de cinéma. Ciao !